Deuxième journée de grève des contrôleurs aériens. Le service minimum a été assuré aujourd'hui à Toulouse-Blagnac. Quatre contrôleurs ont régulé 8 avions par heure. Environ 30% des vols ont été annulés. Ce matin, les voyageurs prenaient leur mal en patience. Ça tombe toujours au moment de Pâques. Hein. Bon, voilà. No comment. On est un peu pris en otage, ça sert à rien de s'énerver. On partira sur Amsterdam, on va y passer 4 jours et donc là, le temps qu'on perd ici, on ne l'aura pas là-bas sur place. Je dois rentrer en urgence. J'espère avoir une solution plus tôt possible. Il faut attendre jusqu'à 15 jours pour voir si le vol de 18h aura lieu ou non. Sinon, je dois attendre pour demain. 80 à 90% des contrôleurs aériens de Toulouse-Blagnac sont en grève. Ils se battent contre un projet qui réduirait à terme de moitié les services d'approche en France. L'approche, c'est un contrôleur qui va contrôler une zone au-dessus de la tour de contrôle pour alimenter la tour de contrôle en avion. Donc ça peut se faire, ça se fait généralement sur l'aérodrome pour une meilleure sécurité, pour une meilleure connaissance de l'environnement. Ce que propose la DGAC, c'est de centraliser ces approches sur des grands terrains comme Bordeaux, Toulouse, Orly, Roissy. Faire ça à distance, ça ne peut que causer des problèmes et on l'a déjà vécu sur certains terrains où l'approche est faite à distance. En France, 200 contrôleurs seraient concernés par des regroupements et des changements de poste. La grève doit se terminer demain matin à 7h.